Bon bah c'est parti pour le vide-grenier, le garde-bécon. Bonjour, est-ce que vous auriez des jeux vidéo parce que je vois que vous avez ça? Mario Kart, non? Ok, super, merci, au revoir. Bonjour. Vous avez que ça en jeu vidéo ou vous en avez d'autres? T'as que ça en jeu vidéo? Oui, il y a que ça. Vous avez combien pour savoir les prix? Pour savoir les prix. Les prix, c'est combien à peu près? C'est 5 euros pièce, alors par celui-là, c'est comme il est très vieux. Ok. D'accord. Merci beaucoup. On va faire mon petit tour. Là. Bonjour. Bonjour. Tu fais combien les jeux? Ça dépend. Par exemple les PS3. 5 euros les PS3. Ok. Et le Sonic là, pour vous? Il a plein de d'autres. Okay. Et le... Après, il n'est pas complet le truc, c'est pour ça, désolé. Il a 3 euros, il n'est pas complet. En cap ? Ouais, il y a 3 decks. Ouais, mais... Non, non, c'est pas, il n'y a pas les decks. Ouais. Et le crash, tu fais combien hein? Celui-là, il a 5 euros. 5 euros, ok. Merci, à plus tard, au revoir. Par ici ? Oh, ça qu'ils sont en bonne santé. Le tout, c'est ça. Qu'ils soient en bonne santé, voilà. Comme vous dites. Bonjour. C'est combien de PlayStation 3 ? 6 euros. D'accord. Ok, merci. Derrière. Bonjour, c'est combien les jeux ? Merci, bonne journée. Hein ? Les jeux ? Oui. C'est à Laurent. D'accord. Je vais prendre ce. Je vais poser les portes. C'est bon 2 euros parce qu'il y a, un jeu, il y a le jeu qui n'est pas dedans. Non, c'est pas c'est le bon jeu. Non, c'est pas le bon jeu. C'est pas le bon qui est dedans. C'est Harry Potter. Ah, d'accord. Je peux, à la limite récupérer la boîte si ça vous intéresse. C'est bon. 2 euros, ça vous va? Merci. Hein. Merci beaucoup. Bonne journée.
Vous faites combien les jeux? Les jeux, en général. Ah, vous êtes bien les petits. Ah, il y en a son œuvre. Ouais, mais bon, si vous pouvez juste vous pousser. Oui, mais je sais, mais vous poussez pas. Si vous pouvez, vous pas. C'est juste un respect. Moi, je ne sais pas. Ah, mais c'est vous. Ah, non, mais c'est vous. C'est un gros carton et plein de jeux. D'accord. Ouais, bah. D'accord. Vous êtes combien, celui-là? Par contre, je ne sais pas comment passer là, du coup, je passe par là. Elle commence à me faire la poche. C'est pas toujours évident. Ah, parce que la fille a commencé, elle a mis la main dans la poche. Ah oui, bah super. J'ai sorti derrière et j'ai sorti un truc dans ma poche. Donc, Donc voilà. Ok. Donc tout est à 3 euros, c'est ça? Tout est à 3 euros et okay. Les démos, elles sont, c'est moins cher, bien sûr. Hein, c'est 3 euros, c'est moins, hein, bien sûr. Ouais. Ça, c'est pour le jeu. Il y a un jeu avec ça. Oui, avec ta Wii, ouais. Qui est là. Ouais. Les accessoires sont là. Et je vais avoir ça aussi, là. D'accord. Celui-là, il est neuf. Ouais. Voilà. Après, c'est mon petit tour, je regarde. Là, il y a 2-3 trucs qui m'intéressent. Oui, j'ai aussi, merci. Merci. Hein. Je laisse regarder. D'accord. Du coup, si j'en prends plusieurs, vous faites un prix? Oui. Ouais. Merci.
Bon bah, vide grenier terminé, retour à la maison et c'est parti pour le compte rendu. Là, on est à la Défense, pas New York. Hein. Salut et bienvenue sur la chaîne du Serial Gamer pour le compte rendu du 27, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, c'est le 27 mars 2022. On est le dimanche et il y avait un vide grenier à. C'était Courbevoie. C'était la rue, je sais plus comment ça s'appelle, la rue, mais bon, avenue Maréchal, je sais plus quoi, bon, enfin bref, peu importe. C'était à Courbevoie, c'est le principal, dans le 92. Donc on commence, on va commencer comme d'habitude par les DVD. Donc pour 50 centimes, bon, il y a marqué 99 centimes, mais je l'ai eu pour 50 centimes. Le film avec Michael J. Fox, c'est Mauvaise Graine. C'est reparti, on va s'éclater. Alors c'est bien parce que, vous voyez, il a dû l'acheter 99 centimes, mais bon, il a dû l'acheter moins que ça, hein, parce que... Il les vendait 50 centimes. Les télés qui se valent dedans. Donc ça c'est super ça, revendeurs de DVD qui vendent ça vraiment pas cher. C'est encore moins cher que les autres. Il y en a qui vendaient des DVD à 3€, moi c'est mort. 3€, c'est mort de chez mort. Je ne prends pas ça à ce prix-là. En plus c'est bien parce qu'il y a même le blister avec. Bon, le CD se valent un peu dedans, mais bon, c'est pas très grave. Pour 50 centimes, hein, je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai récupéré pour 1€, ouais, ça, c'est ça, le jeu d'enfant avec Chucky, Catherine X et Chris Chardon. Première garde, prenez garde à Chucky. À Chucky, pardon. Waouh, j'ai du mal à prononcer. Donc, c'est un DVD MGM. C'est vrai que les DVD MGM, avant, ils étaient cartonnés avant, vous savez, pour ceux qui ont connu, c'était, ça s'ouvrait. J'en ai même deux. J'ai Arakata qui est le dernier Samaritain, où, vous savez, c'est, ça se s'ouvre sur le côté. Et tout est cartonné, un peu comme les jeux Nintendo 64 un peu. Par contre, eux, c'est la qualité parce que vous avez toujours un livre avec des petits chapitres, des petits bonus. Regardez, voilà, normalement c'est chapitré, vous voyez, c'est ça. Sélection des chapitres. Aujourd'hui, il n'y a même plus ça, hein, dans les Blu-ray. Hein. Il y a toujours les chapitres, mais bon, il n'y a plus de nom aux chapitres. Là, il y a un petit, on va dire un petit making-of et on a le casting, hein, on a tous les acteurs qui ont joué dedans, bon, les principaux. On a Karen Bardet, Catherine X, on a Mike Norris, Chris Sarandon et ainsi de suite. Alex Vincent dans le rôle d'Andy Bardet. Je sais pas si c'est leur nom là ou c'est... Bon, enfin bref. Vous connaissez mieux que moi, je l'ai jamais vu. Eh ouais, je suis puceau de jeu d'enfant. Ça fait bizarre quand je dis ça. Hein. C'est un peu bizarre quand je dis ça. Je suis puceau de ce film, de Chucky. Ah mais tiens, c'est un peu la même tranche que Wargame. Rouge comme ça, donc je n'ai jamais vu ce film, donc ça sera l'occasion. Plus on a quoi en bande annonce, on a bande annonce originale et menu interactif. On a pas mal de sous-titres, pas mal de langues, français, anglais, allemand, italien, espagnol. Juste que je nettoie un peu la boîte, un peu dégueulasse pour 1€. Les DVD MGM, j'adore, c'est les mêmes qui ont fait les DVD James Bond que j'ai en puzzle. Il me reste encore quelques DVD. J'ai récupéré, alors ça c'est franchement quand on voit ça, c'est juste magnifique. 50-50, double force, double combat. Comme vous voyez ça, pour moi c'est classe, c'est la kiffance. Donc c'est Robert Hays et Peter Weller. Alors c'est fait par Prism Pictures. C'est un DVD et il est dedans. Alors c'est vrai que des fois j'ai pas tout regardé. J'essaye des fois de regarder pour quand même me dire, ouais, pas me faire avoir non plus. Imaginez, je m'achète tout ça et au final il n'y a pas dedans. Ou les CD sont hyper liés. Regardez-moi ça. Et quand on voit des mecs, deux mecs avec des flingues et du feu derrière, pour moi c'est bon. Ah, il est un petit peu abîmé. Alors, bon, c'est pas grave. Fusillade, explosion, poursuite, bon, c'est bon. Et il y a toujours, regardez, tous les ingrédients d'un film d'action musclé et spectaculaire avec Peter Weller. Encore un truc avec Robocop. Et Robert Hays, y a-t-il un pilote dans l'avion? Avec Leslie Nielsen d'ailleurs. Le brillant Leslie Nielsen. Autre nanar, regardez-moi ça. Les boucliers humains. Quel est le prix de la liberté? Ah bah c'est toujours Prism Pictures, tiens. C'est pas pris au même endroit, mais c'est Prism Pictures toujours. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Franchement. Voilà, ça donne envie, hein. Rien que ça, un mec, une montre, un flingue. Le feu derrière, toujours. Ah bah alors là tout le truc est couvert de feu. Hein. Décidément, c'est la spécialité, un prisme. Hein. Regardez, vous voyez, le feu partout, il y a le feu partout. Donc à mon avis, il va y avoir explosion, c'est ça.
Michael Dudikoff, voyons, qui a un nom spécial lui. Hein. Une nouvelle mission pour le héros de feu. Ah, ça veut dire qu'il y en a eu un autre. Donc ça a dû se passer en 90, et on n'a pas regardé les dates, tiens, des DVD. Ah oui, on n'a pas regardé les dates. Ah oui, l'erreur fatale. Est-ce qu'on a des dates déjà, en fait? Putain, c'est décoloré ça, c'est moche. Hein. On dirait que ça bave. C'est vraiment dégueulasse. On pourrait, si ça marche, si ça fait le taf, hein, pour 50 centimes, ça a bavé là. Bon. Ça doit être les années. Ouais, je pense que c'est début 80. Michael J. Fox, comment il est jeune dessus. On voit que il a son air de retour à la future. Alors celui-là, c'est 88 pour le jeu d'enfant. Donc à voir. Bon, après, je suis sûr qu'il doit être en Blu-ray celui-là. Je suis un peu gros de l'avoir pris parce que si ça se trouve, il est en Blu-ray. Celui-là, bah, il n'y a pas marqué, je crois. Je ne vois pas marqué du tout la date. Et celui-là, apparemment, c'est 90. Ça dure 1h43. C'est un français, bien sûr. Il n'y a pas la VO, par contre. C'est pas mal du tout, Michael Dudikoff. Une mission pour le héros de feu. Le bouclier humain. A voir. Bon, bien sûr, c'est le bon DVD dedans. Et le disque n'est pas rayé. Bon, c'est parfait. Enfin, je regarde toujours en dessous, là, comme ça. Voir s'il n'y a pas des petits billets qui traîneraient par hasard. Quelqu'un n'aurait pas laissé un petit billet. Et il reste encore deux DVD. Oh là là, encore. Ah bah c'est encore eux. Ah bah c'est que eux en fait. Mais j'ai sans faire exprès, j'ai pris que des prismes vidéo. Regardez-moi ça. Encore du feu. Et prisme picture. Michael Paré. Donc lui il est paré au combat. Parce que regardez, point d'impact. Encore un mec avec un flingue. Ça c'est signe de nanar. Hein. Quand vous voyez ça, un mec avec un flingue, ou deux mecs avec, avec des flingues, c'est signe que c'est un nanar. Regardez. Limite, on pourrait les mettre côte à côte. Ils pourraient faire un duo tous les deux. Le bouclier humain, point d'impact. Donc là, c'est le DVD de point d'impact. Même l'autre, regardez, quand vous reprenez l'autre, regardez, il y a deux mecs avec des armes. Et encore du feu. Et là, pareil. Là, on a tout, on a le mec, le flingue, le feu et un mec qui court. Donc c'est point d'impact avec Michael Paré. Donc lui il est toujours pareil. Un ex-flic au cœur de la mafia cubaine. Ah bah dis donc. Bon ça se voit dans les années 90. Hein. Ouais c'est 80, ça doit être dans les années 90. Alors, peut-être 92, un truc comme ça. Hein. Dans ces eaux là. C'est magnifique. Pff, c'est parfait. Les gens qui vendent des nanas comme ça, franchement. Pff. Oh là, celui-là par contre il est magnifique. Alors la jaquette de celui-là, une pépite, regardez-moi ça, si c'est pas beau, là on a tout, et en plus on a un combo, on a défi en plus, donc et là c'est juste magnifique, l'affiche est incroyable, j'adore, donc c'est Night Force, la force des ténèbres, le cauchemar des terroristes, bon bah, les terroristes, ils vont pas faire long feu avec eux, hein. Regardez, coupe de cheveux des années 80, même non, 90 plutôt, peut-être plus 90, quoique la couleur de parfait état, la couleur de l'image, ça fait passer plus à 80. Et il n'y a pas de date comme d'habitude, mais ça doit être dans ces eaux-là. Ça doit être, allez, fin 80, je dirais 80. Allez, on partage 89. Les tueurs professionnels forment la Night Force. Ils traquent tous les terroristes. Ça sent bon, ça. Ça sent bon le nanar. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 DVD. Donc ceux-là, après, je les ai payés 1 euro. Il n'y en a qu'un seul qui les payé à 50 centimes. Et après, on va passer au... Ouais. C'est que des jeux PlayStation 3 et je crois qu'il y avait un jeu PSP. Ouais, un truc comme ça. Donc pour compléter mon full set, hein, on a oublié de récupérer, comme d'habitude, je vous l'ai dit, hein, des jeux de merde. C'est ce que j'ai récupéré. Le FIFA 16. Donc j'ai récupéré pour 1 euro. Oh là, il est bien abîmé là. Donc il me manquera plus que le 17 et le 18 et j'aurai full CT hop, ah, c'est marqué quoi, Pacific USA, peut-être Neymar sur Snap, vacances à Los Angeles, je sais pas ce que c'est, j'avais pas fait gaffe à ce message. Ok, bon c'est bon à savoir, hein, mais bon je m'en fiche un petit peu. Donc il n'y a pas encore des trucs écrits là-dessus, hein, par hasard. J'aurais préféré qu'ils me laissent des billets plutôt que des messages.
Donc c'est le FIFA 16 qui est en... Ouais, il y a juste des empreintes, on pourra retrouver le coupable, qui est en très bon état. C'est parfait. On continue. Ouais, on va faire... ouais, on continue sur le PS3. Il y a eu 16. D'ailleurs, on n'a pas... Attendez, on a oublié une chose. C'est en français, c'est bon. Oh, la boîte est un peu pliée à l'arrière. Ah oh, merde, elle est un peu pliée à l'arrière. Il y a par Carglass. Donc c'est le numéro 2161. Et c'est bien en français. Donc ça c'est bon. On a le 16. Et bien maintenant on a le 15. Maintenant j'ai le. J'ai tout. En gros j'ai les 16 premiers. Moi, enfin, les 16 premiers. J'ai le 7. J'ai le FIFA 07, il me semble, jusqu'à 16 normalement. Ou si c'est FIFA 08, je sais plus. Donc là maintenant c'est le 15. Il est bientôt. Ah, par contre, il n'y a pas la notice. Ouais, dommage. Il n'y a pas la notice. C'est bizarre que ça soit perdu, ça. C'est un peu étonnant. Bon. Là, il y a le CD. Il y a un bon état. Et découvrir des nouveautés. C'est bon. C'est en français. C'est le numéro 2048. Autre jeu PS3. Alors, c'est quoi déjà ça? Ah oui. C'est. Ah oui, il y a un parfait état. Hein. Putain. Un peu même plus. Le Tron Evolution. Ah oui, c'était dans un gros lot, oui. Qu'il le faisait 3 euros, oui c'est vrai. Cela, alors cela c'était 1 euro l'unité et cela c'était 3 euros, mais comme je n'ai pas plusieurs, il m'a fait un prix, donc j'en ai eu pour moins à peu près 2 euros, on va dire 2 euros et quelques. J'en ai eu pour 12 euros en tout, donc ouais, ça, un truc comme ça. Donc c'est le Tron Evolution. J'ai même pas regardé dedans, pareil. Par contre, il est en super bon état. Hein. Il doit y avoir le code en dessous. Je pense pas qu'il y ait le billet caché, et le CD est propre, il est nickel. Regardez-moi ça, c'est pas beau. C'est parfait, et c'est agréable au toucher. Pour une fois, un jeu propre, c'est...
D1, donc là on aura les trophées, ça c'est pas un souci. Et c'est en français, bienvenue sur le damier programmé. Le damier programme. Ça c'était un peu plus de 2 euros, je crois. On va dire 2 euros. Autre jeu PS3, qui était dans le même lot, donc 2 euros et quelques. Le Mirror's Edge avec le prix de Micromania. Non, c'est pas le prix de Micromania, ça c'est le prix de Score Game. Bon, Games, il semble. Est-ce que c'est ça? Ah, ben voilà, c'est simple. Ah non, c'est Duck Game, pardon. C'est Duck Game. C'est où ça? C'est pas celui de. Le 11ème, non? Ah non, c'est Ronnie. Ronnie 2. Ça a été acheté quand ça? En 2011. Il y a 12 ans. Et il est complet. Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Mercenaries 2. J'adore ce jeu. Il est sympa. Donc graphiquement, il a mal vieilli. Le mec, il a bien entretenu ses jeux. Hein. On va remettre le petit ticket intérieur. Il est marqué 10 euros. Attendez, il a acheté quoi? Il a acheté Nat Geo Quiz. Neo Pets Puzzle Advance. Ah, donc il a acheté un jeu Game Boy. Ah non, c'est oui. Ça, c'est un jeu, oui. Il a acheté le jeu Fuel. Ah ben, je l'ai peut-être sur PS3. Il a acheté Mirror's Edge 11 euros. Ouais, c'est ça, merde. J'ai dessus. Il a dépensé 41 euros, soit 268 francs. 94. Hop, on va le remettre là en souvenir. De toute façon, les étiquettes, moi, je vais les retirer, ça m'intéresse pas. La boîte, pareil, elle est propre. C'est le numéro 322. Et celui-là, je crois qu'il y avait des trophées. Je l'avais eu à l'époque. On continue. J'ai récupéré pour le full set. Hein. Putain, j'aurais jamais appris. Ah merde, ils ont mis l'étiquette en dessous. Oh la vache, ils ont mis l'étiquette en dessous. C'est le Singit. Ah, attendez, est-ce qu'on va pouvoir le retirer ou pas? Ah, c'est bon. Hop. C'est bon, on peut le retirer. Donc ça, ça ira à la poubelle. Hop. J'ai eu peur. Ça doit être au même magasin qu'il a acheté. Il est complet. Il y a la notice et le CD qui est super propre. Franchement, je crois qu'il en avait d'autres. Vous avez regardé, normalement j'ai filmé. Alors ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait une erreur, c'est que j'avais oublié de mettre la petite la mémoire stick et du coup j'avais pas beaucoup de mémoire. Donc j'ai vraiment enregistré que les moments où je trouvais des jeux vidéo. Donc là on a vraiment l'essentiel de la brocante. Hein. Ah là par contre c'est. Oh non, on va le faire à la fin, ça. On va le faire au dernier. Autre jeu PS3 que j'avais pas dans ma collection de jeux sur PS3 du coup, mon full set, c'est Robert Ludlum, La mémoire dans la peau. Il a acheté 10 euros. D'ailleurs, c'est bizarre, je sens quelque chose. Ah oui, d'accord. Le CD est en train de se balader. Ah, il y a un petit impact de 2 euros, il faudra que j'appelle la Carglass. Mais bon, c'est pas très grave, là il y aura une étiquette à enlever. On dirait Games qui faisait, c'est Games qui faisait ça à l'époque. Bon, au moins il a le mérite d'être complet. Celui-là, je sais qu'il était pas trop mal, mais ça fait très longtemps que je n'y ai pas joué. Je sais plus si je l'avais eu sur PS3, mais je sais que j'y avais joué. Peut-être sur 360. Ou peut-être sur PS3, je sais plus. Il faudra que je regarde mes trophées. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient m'ajouter sur le PlayStation Network, sur le PlayStation. Ouais, sur le PlayStation, c'est Matafix. M-A-T-A-F-I-X-E. Ils vont trouver. Donc c'est Jesus Bourne, La mémoire dans la peau. Pourquoi c'est marqué Robert Ludlums? Finalement c'est Jason Bourne. Hein? C'est bizarre. À moins que je suis dans un monde parallèle, mais finalement c'est Jason. Voilà ça. Dans la peau de Jason Bourne. Mais il me semblait que c'était Jason Bourne, La mémoire dans la peau. Enfin, bref, pas grave. Du coup. Il fait nanana, c'est nickel, il est propre, hein. Il y a juste l'étiquette Games à retirer, ouais c'est ça, c'est bien Games. Parce que c'est eux qui faisaient ça à l'époque. Ils mettent des étiquettes comme ça sur les notices. Des fois ils les mettaient sur les boîtes ou des fois sur les notices, et très généralement c'était sur les notices. Donc c'est le numéro 249. Je pense pas qu'il y aura des trophées là-dessus. Mais je me rappelle d'y avoir joué, c'était sympa. Le dernier jeu que j'ai pris dans ce lot. C'était 12 euros le tout, donc ça fait un peu moins de 2 euros, je crois. 2, 4, 6, 8. Ah non, ça fait un peu plus de 12, ça fait un peu plus de 2 euros. Bon, enfin, bref, regardez-moi ça. Regardez ça.
fais rentrer plus près. Hop, je sais pas si on voit bien. Ouais, là on voit bien. C'est le Pilizeray PlayStation 3. Un jeu neuf sous blister. Ça c'est toujours agréable. C'est le jeu Fuel. Ah, ça c'est agréable. En plus, le blister il est propre. Mais franchement, un 10 sur 10. Juste un coup de nettoyage à faire là. Mais 10 sur 10 au niveau du blister. Hein. C'est très rare d'avoir des jeux. De trouver des jeux sous blister en haut de grenier. Hein. Surtout à l'heure où j'y suis allé. Normalement, il aurait déjà dû partir. Hein, parce que j'y suis allé vers 9h. Je prends plus la tête. Hier, je suis allé à la brocante de Courbevoie à 6h. Pour le peu que j'ai trouvé, j'ai quand même trouvé pas mal de choses, mais bon, j'aurais pu le trouver aussi à 9h, hein, on va dire. Hein. Mais celui-là, c'est étonnant. Hein. Cette heure-là, le Fuel, il est quand même. Il n'est pas hyper recherché, mais c'est toujours agréable de l'avoir sur blister. Disons que s'il y a des revendeurs, croyez-moi que ça part direct, hein, surtout à 3€. Hein. Ça facile, à 20 balles, ça part. Hein. Donc c'est le numéro 770 et c'est Fuel. Donc c'est, il a acheté en même temps avec l'autre jeu, là, je sais lequel, c'est Tron. Et le dernier jeu, j'ai pris ça, il n'y avait pas d'autres jeux PSP. Il me semblait qu'il y avait d'autres jeux PSP. Non, j'ai dû rêver. Non, j'ai dû tromper. Ouais, non, c'est ça, c'est le jeu PS3. C'était le seul. Ouais, c'est que c'était le seul. C'est le Harry Potter en UMD film, sauf qu'à l'intérieur, c'est les Simpsons, le jeu. Alors, ce qui est marrant, il y a un truc qui est marrant. Oh là, putain, par contre, la publicité, elle est HS. Hein. Il y a Hitch, la chute du faucon noir, Spider-Man 2, 30 ans, sinon rien. Oui, il est dégueulasse. Hein. Et ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, j'ai regardé la vide-grenier de Ghost Player. Bon, il est un peu utilisé celui-là, mais bon, ça va, c'est des propres. J'ai regardé, d'ailleurs, je sais pas si j'ai regardé ma vidéo, j'ai regardé Ghost Player sur Ghost. Hein, Ghost qui veut dire fantôme et player c'est joueur, donc le joueur fantôme. Je l'ai regardé sur YouTube tout à l'heure. J'ai regardé les vide-greniers, là j'ai regardé celui de Sony Adventure, celui de Ghost Player. Et ce qui est marrant, c'est qu'il avait trouvé le jeu de Les Simpsons. Alors je sais plus si c'était le même que celui qu'il y a dans la boîte, mais il me semble que oui. Il me semble qu'il n'y en avait qu'un seul sur PSP. Et ce qui est marrant, c'est que lui il avait trouvé la boîte avec un jeu différent à l'intérieur, et moi j'ai trouvé le jeu, mais avec une boîte aussi différente. Donc si Ghost Player te garde cette vidéo, j'ai le jeu. Donc par contre, je pense pas que ça soit au même endroit que tu l'as trouvé. Hein. Moi c'était à Courbevoie, c'est dans le 92. Toi je crois que c'est plus Marseille. Je sais pas si tu regarderas la vidéo. En plus il y a un petit peu un impact. Enfin, j'appelle Carglass. Carglass des jeux vidéo. Carglass répare, Carglass remplace. Bon, après je sais pas s'ils vont remplacer la boîte de CD de l'UMD. Hein. Par contre, s'ils pouvaient me remplacer à la notice de ça. Bon, après, c'est dommage qu'il n'y ait pas le Harry Potter, parce qu'en ce moment, le Harry Potter, il est hyper populaire. Il est. Ah ouais, ça part à une vitesse, les Harry Potter. C'est un truc de fou. C'est la mode, là, aujourd'hui. Donc, du coup, moi, j'avais récupéré la boîte dans les poubelles, il me semble, de mémoire. Je crois que je l'ai encore. Il faut que je la recherche. Et j'ai la boîte de ce jeu, normalement. Et la notice. J'ai dit pas de bêtises. Du coup, ainsi s'achève ce compte rendu. Ouais, il n'y a plus rien, c'est bon, c'est fini. La besace, elle est vide. Donc, ainsi s'achève ce compte rendu de vide-grenier. Donc, j'ai récupéré ce UMD avec le jeu Les Simpsons, le DVD 50-50, le DVD de Le Bouclier Humain, de Night Force, de Point d'Impact, jeu d'enfant. Mauvaise graine. On a récupéré en jeu PS3 le FIFA 16, le FIFA 15, le Tron Evolution, le Mirror's Edge, le Cynit, la mémoire de l'impôt et le Fuel qui est sous blister. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard. N'hésitez pas à mettre le pouce bleu, le commentaire, partager la vidéo, mettre la petite cloche aussi, ça ne le dit pas assez. Et surtout, abonnez-vous. Ciao les amis.